a peur des fantômes. Allez, allons montrer notre costume aux autres animaux magiques. Ouais. Est-ce que tout va bien? Allez, c'est un fantôme! Reviens! C'est juste Morphle! Les fantômes ne sont pas réels! Oh non! Ne t'inquiète pas, Morphle. Nous les trouverons et nous leur expliquerons que tu n'es pas un vrai fantôme. Ouais! Bouh! Les fantômes ne sont pas réels! Veuillez laisser tranquille Morphle, monsieur Vent Debout! Peur des fantômes. Wow. Oh non, la ville est hantée. Hantée? Oui. Écoutez. Même les arbres sont hantés. Ne nous suivez pas. Ne venez pas ici. Un fantôme? Ne t'inquiète pas, Morphle. Ce n'est pas un vrai fantôme. Pas réel? Non, je vais te montrer. Ne venez pas ici. Essayons d'éloigner le fantôme. Mais ce n'est pas un vrai fantôme. C'est Morphle. Tu nous as fait peur, Morphle. Mais tu as effrayé toute la ville avec tes pouvoirs. Tu étais vraiment comme un vrai fantôme. Est-ce que tu penses à ce que je pense, Morphle? Ces fantômes ne sont pas réels. Je suis un vrai fantôme. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Ah! Au secours! Jouons au chevalier! Morphle, change-toi en bulldozer pour nous construire un château de sable géant! Cela peut-il bien être d'après toi? Il est tellement gros, ce doit être un œuf de dragon. Emportons-le dans le château pour le protéger. Morphle, change-toi en dragon.
On dirait bien que c'est un œuf de dragon. Bientôt, nous, les pirates du ciel, aurons notre propre dragon. Donne-moi cet œuf! On l'a trouvé? Alors on le garde! Et moi, c'est moi qui l'ai volé! Ah! Vous avez trouvé mon œuf d'autruche! Je faisais une livraison spéciale. Quand un singe effronté a jeté ce pauvre œuf par-dessus bord. Et depuis, je le cherchais partout. Allez, petite autruche, je te ramène à la maison. Il faut que j'aille faire quelque chose, Marcel. Mais c'est un secret, donc tu ne peux pas venir. Mon folle, viens aussi. Non, Marcel, tu dois attendre ici. Au revoir, Marcel. Mila! Mila! Hey, quoi de neuf, Marcel? Papa, c'est où est Mila? Non, désolé, Marcel. Mila n'est pas là. Mmh.
Oh. Non, Murphle, elle n'est pas là. Mila, par là? Non, Murphle. Murphle pleure. Pas dans ma ville. Allez, viens, Murphle. Je parie que Mila t'attend à la maison. Pas si vite, Murphle. Tu n'as même pas vérifié dans le jardin. Surprise! Mila! Joyeux anniversaire, Murphle! Maintenant, ouvre ton cadeau! La justice ne dort jamais. Mais vous devez dormir de 9h à 7h. C'est l'heure d'aller combattre le crime. Juste après le brossage de dents. Salut, moi c'est Mila. Et mon animal magique Murphle peut se changer en tout ce que je veux. Quoi ça? Oh, aucune importance. C'est juste un requin. On est des pirates de l'air, donc inutile d'avoir peur des requins. Ce monstre ne peut pas venir sur Terre. C'est ce qu'on va voir. Murphle, change-toi en requin avec des pattes. Regarde, le requin a des pattes. Oh non, nom d'une jambe de bois. Partons vite d'ici. Ah! On est des pirates de l'air. Alors, ton requin qui marche ne nous fait pas peur. Phileus, arme les canons. Affirmatif. Allons les arrêter, Murphle. Ah, mais qu'est-ce que... C'est rigolo. Et tu crois que tu vas pouvoir nous attraper avec ton ridicule requin rouge sur pattes? Murphle ridicule? Murphle n'est pas ridicule. Et il peut vous attraper parce qu'il peut voler. Murphle, transforme-toi en requin volant. Oui. Oh, et maintenant il vole. Oh, j'ai peur. Ah non, prenons de l'altitude, Mauritius. Je veux dire, d'accord. Tu ne nous attraperas jamais. De l'eau?
Qu'est-ce que... Et c'est pourquoi la ville a besoin... Des bombes à eau? Ouais! Ouh! Bravo! Quoi? Bande de sales gosses! On n'arrive pas à les semer! Regarde-la! Cachons-nous dans cette grotte, Phileus! Bonne idée, mais... Mais n'est-elle pas un peu... Petit! Les pirates ont dû entrer dans cette grotte! Impossible entrée! Tu as raison! Leur bateau a bloqué l'entrée! Mais... J'ai une bonne idée! Je crois qu'on est coincé. Oui, mais au moins, ce requin rouge ne pourra pas nous attendre ici. Tu es sûr? Le requin rouge! Et il a une perceuse sur le nez! On vous a eu, pirates de l'air! Maintenant, vous allez venir avec nous! Où est-ce que vous nous emmenez? Au poste de police? Non, la plage! Pour que vous puissiez reconstruire tous les châteaux de sable que vous avez détruits. Oh non! Construire? Mais je sais faire que détruire les châteaux de sable. Ça doit être la meilleure vague que j'ai surfée de toute ma vie. Coucou. Ah. N'ayez pas peur, c'est seulement Marfel. Salut Marfel. Hey, regardez un peu ça. Tada! Oh, waouh! Essayons de faire quelque chose nous aussi, Marfel. Joli! Incroyable! C'était vraiment trop drôle! Ouais, les vagues sont super aujourd'hui! Elles sont même anormalement grandes! Attention en bas! Oh les mecs! Eh ben ça, c'était du surf! Du surf! On ne faisait pas de surf! On fuyait l'énorme monstre qui a créé ces vagues. Il voulait nous dévorer. Mais on ne servira pas de déjeuner pour monstre. Non, 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 pas question. Vous êtes certain que c'était un monstre? Est-ce que vous me traitez de menteur? Je le jure sur la jambe de bois de mon père. Papa, Morphel et moi, on pourrait aller voir ça? D'accord. Morphel, je compte sur toi pour que Mila soit en sécurité. Morphel, protège. Ils sont complètement fous. Regarde, voilà.
Voilà donc le monstre qui fait toutes ces vagues. Mila! Marfel! Il est temps de rentrer à la maison! Pourquoi ne viendrais-tu pas avec nous pour rencontrer papa? Mon papa adore les animaux magiques! Maintenant que les vagues sont parties, vous n'aurez plus besoin de ça! Voleur, on te retrouvera, espèce de face d'ours! Oh non! Il faut qu'on les arrête, Morphel! Super! Alors c'est toi le grand méchant monstre qui cause tous ces problèmes? Mais je crois que tu pourrais devenir l'ami des surfeurs en leur fabriquant de belles et grosses vagues. Qu'en dis-tu? Oh, 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 oh! Merci! Coucou, Milae. Oh, Morphel, mais tu es tout sale. Qu'est-ce que tu as fait? Eh bien, tout d'abord, nous avons vu une dame qui nous a demandé de l'aider à récupérer son chapeau. Oh, j'ai perdu mon chapeau. Pourriez-vous m'aider à le retrouver? Morphel s'est transformé en chien et a cherché le chapeau partout. Morphel, trouvez chapeau! Oui! La dame était très contente que Morphel le retrouve. Ensuite, nous avons vu Mécanique Joe. Morphel, j'ai besoin de ton aide. Ma dépanneuse vient de tomber en panne. Morphel transformé en éléphant! Et en triceratops! Vraiment, merci, Morphel. Pourquoi vous n'avez pas remorqué la dépanneuse? Oui. C'est Constructeur Lawrence. Ensuite, Constructeur Lawrence nous a demandé de l'aide. Je crois que j'ai oublié ma perceuse en haut de l'immeuble. Morphel Gru!
Ah, merci, Murphle. Super travail, Murphle. Mais maintenant, il faut que tu prennes un bain. Bain ? Murphle aime pas bain. Murphle, reviens ! Je t'ai eu. Oh. Mais où est-il passé? Eh bien, au moins, Murphle est enfin dans le bain. Murphle aime bain. Quoi? Maintenant, tu aimes ça? Voilà, messieurs. Comme vous l'avez commandé, beaucoup, beaucoup de robots. Parfait! Je suis heureux que vous ayez aimé les précédents, mais pourquoi avez-vous besoin de tout ça, si je peux me permettre? Pour rien, professeur. Et s'il vous plaît, continuez à en construire pour nous. Mila, je veux récupérer ma voiture jouée. Voiture jouée? Je n'ai pas ta voiture jouée, Hugo. Si tu l'as, je t'ai vu la prendre. Si tu ne me la rends pas, je vais le dire à ton père. Mila n'a pas de voiture jouée. Bien, comme tu voudras. Hugo, attends! Ah, te voilà, Mila. J'étais en route pour un rendez-vous très important et tu m'as jeté de la boue. Mais je n'aurais jamais fait ça. Maintenant, je dois rentrer à la maison et me changer. Mais je n'en ai pas fini avec toi, jeune fille. C'est de la folie, Murphle. Nous devons découvrir ce qui se passe. Transforme-toi en hélicoptère. Murphle, regarde. Oh, Mila fait du désordre. Mais, oh, Murphle, ce n'est pas moi, je suis juste là. Oh, ce doit être un robot. Poursuis-le, Murphle. Transforme-toi en aimant. Allons le mettre en prison. L'officier Latôle saura quoi faire. Officier Latôle, nous avons attrapé un robot qui cause des problèmes. Tu veux dire, comme celui-là? Hein? Quoi? Combien y en a-t-il? Professeur, nous avons besoin des plis et des robots. Oh, je travaille aussi vite que je peux. Je suis sûre que les robots sont partis par là. Là, là, beaucoup de Mila. Ah!
va nous chercher des glaces, robot. Ok. Il faut qu'on récupère cette télécommande, Morphel. J'ai une bonne idée. Suis-moi. Regarde, c'est Morphel. Morphel. Attrapez-le! Où vas-tu comme ça, petit robot? Mais qu'est-ce que... Tous les robots! Attrapez les bandits! Non! 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 Et bien sûr, vous étiez derrière tout ça. C'est vraiment étroit ici, Stan. Non, bougez les robots. Non, Morphel, attrape les bandits. Non, Morphel, bandit, attrape les bandits.